Salut à tous, donc c'est parti, on continue, vous inquiétez pas, c'est pas très long, hein. Dans quelques minutes tout au plus, on devrait arriver. Ouf. Vous voyez, même en partant de tout en de l'autre côté du volcan, on tombe pas, donc... Voilà. Donc, si vous vous rappelez, on avait forgé le trident avant de venir ici, donc c'est pas obligatoire de forger le trident pour venir. Hein. Pour venir, c'est pas obligatoire. Par contre, si on veut repartir vivant, c'est obligatoire. En fait, le trident va servir à annihiler la protection du boss. Ah merde. Voilà. Donc là, faut partir d'en haut en fait. Voilà. Parce que vous voyez, le courant nous ramène, enfin, il est dans le sens inverse du nôtre. Donc ben, on va le niquer. Voilà. Si on part d'en bas, ben, on n'a pas le temps de revenir avant que le courant se remette. Et là, on va faire un petit truc, c'est qu'on va, hop. Voilà. Ça, c'est pour le boss que je fais ça. Je pense que vous aviez compris. Voilà. Et en fait, je vais passer le trident à Cilia parce que c'est la plus rapide. Donc, ça sera elle. Elle commencera le combat en utilisant le trident. Si on n'utilise pas le trident, on peut strictement rien lui faire. A chaque fois qu'on lui lance une attaque, ça met un champ de protection pour des Poséidons et c'est foutu. Donc, Apocalypse Meteor. Le trident. Faut surtout pas l'oublier. Et lui, ouais. Voilà, grâce à ça. Voilà, plus de champ de force. On va enfin lui faire du dégât. Donc il craint le feu, et c'est ça le problème, parce que Lina, c'est à la fois la soigneuse et celle qui fait des dégâts. Elle peut pas faire les deux, bien sûr. C'est pour ça que ça pose problème, en fait. Allez, je le laisse en entier pour une fois. Et vous verrez qu'il y a plus beau que Apocalypse hein, dans le. Il y a. Comment ça s'appelle? Catastrophe. Catastrophe, c'est super beau. C'est un peu le même genre, mais avec de la foule en fait. L'animation ressemble. Hein. D'ailleurs, le boss ressemble. Ouais, l'invocation. Enfin, le personnage de l'invocation en fait. Donc, Poséidon fait deux attaques par tour. Donc, là, c'est chiant. Casse-vipère, voilà, c'est ultra utile sur lui. Protection impératif. Oh putain, mon antivirus qui me casse les couilles. Dégage. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors. Putain, mais il s'enlève pas ce con. Ah, c'est bon. Une protection, je vous ai dit, c'est un des sorts les plus importants du jeu. Hein. Car il protège des synergies. Ah oui, ça, ça arrive aussi. Il move to NOMP avec ça. Ouille. Aïe, bordel de merde. Là, on est dans la chiasse. Putain, je peux pas réciter avec ces cons. Et merde. Bon, ben, on va les refaire avec trois persos. Ouais, si on a pas de chance, prends l'océan qui nous enlève tous nos MP et nos PV, on est dans la merde. Quoi. Ça, on peut rien y faire. Hein. S'il fait prendre l'océan et que ça marche, et qu'il relance une attaque derrière, ben, c'est foutu. Pas grave, je suis passant. Ah, mais je suis con, moi. Ça va être ressuscité, non? Ah, merde, il n'y a pas assez de jeans. Bon, on attendra, c'est pas grave. Alors. Voilà, là, il contre-attaque à chaque fois qu'on lance une attaque, en fait. Pas forcément une attaque normale. Hein. Alors là, hop, il contre-attaque. Là, par contre, non. Forcément. Vous voyez, il ne ferait presque plus rien avec toutes les protections. Encore deux jeans. Je crois que protection soit max, mais dans le doute. Ouais, c'est au max.
Faut faire gaffe parce qu'au bout d'un moment la protection disparaît bien sûr. Ah yes. J'hésite. Non c'est con. On va faire plasma. Non, destruction. Ouais. Non mais que dalle, je suis con là. Ça peut faire très chier ça. Oh non. Putain le con. Putain, heureusement que j'avais prévu le coup. Alors. Soin. Non lui il va attaquer. Vu que j'ai augmenté son affinité. Alissa, elle a pas le choix. Ça fait chier ce con. Donc désolé si le combat est un peu long. Hein. J'essaie de faire vite. Donc, gaz hyper très utile. Non, je sais pas s'il aura le temps de le faire. Ouais, si. Y a pas de truc pour augmenter l'agilité. Bah, il plasma, vous êtes. Et attends, non. Merde. Oh la connerie. Enfoiré. Comme quoi ça peut achever des ennemis avec son truc là. Son truc contre-attaque ça peut être chiant quand même. On craint pas l'eau là. Ça peut faire un minimum de dégâts quand même. Je fais n'importe quoi. Merde, il a pas récupéré un moment. Ouais, le problème avec l'équipe de Pavel, c'est ça quoi, c'est que Lina, elle fait des bons dégâts, mais c'est elle qui soigne normalement. Alors que dans l'équipe de Vlad, en fait, la soigneuse, on s'en foutait, elle avait pas de très bon sort d'attaque, donc... Elle servait qu'aux soins quoi. Putain mais il a pas ombre lui, qu'est-ce qu'il prend? Putain c'est pas vrai. Ouais, là il sert à rien quoi. Ça qui est chiant. Ah ben enfin. Que ça hein, quand on s'y prend bien. Je dis pas que je m'y suis pris particulièrement bien. Bon là vous voyez,
Le problème c'est que des rochers qui apparaissent et ils bloquent un truc à gauche. Ne vous inquiétez pas, il y aura une synergie pour détruire ces rochers plus tard. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Et voilà, on a tué le Poséidon, alors on n'est pas des boss franchement. Alors voilà, ça c'est fait. Bon, le prochain c'est Jupiter. Non, je connais. Alors voilà, hop. Et on va arriver de l'autre côté de la mer de brume là. Voilà, tout ce qu'il y a c'est Lumeria. Hein. Il n'y a rien d'autre, vous voyez. Donc voilà, à Lumeria. Donc la température extérieure est de. Non, je déconne. Je déconne la merde, n'est-ce pas? Et donc on va garer notre bateau. Ça, je me rappelle. Il y a pile d'emplacement. Hop. Voilà. Donc l'ambiance de Lemuria, vous voyez, ça fait un peu cité qui était florissante avant et maintenant c'est de la merde quoi. D'ailleurs c'est le cas. Hein. Vous vous rappelez que les gens d'ici sont immortels, etc. Nous on s'attendait à voir un truc ouais super beau et tout. Mais là ça fait un peu cité perdue quoi. Donc Pierce vient d'ici, je vous rappelle. Hein. Vous voyez, ils ont tous les cheveux bleus. Ça va afficher pour le nom. Ils sont aperçus par là quoi. Non, faut dire que ombre c'est utile. Je dis pierre c'est bof. Moi je l'utilise pas trop. Pour moi les mystiques de l'eau ils savent qu'à soigner. Lui bon il a des bonnes synergies. Bon, contre un boss de feu ouais, il peut être utile ouais. Je préfère que le soigneur soit un mystique d'eau que de feu quoi. Lui là on voit qu'il y a un PG. C'est clair. Parce que eux ils peuvent rallonger leur vie, hein, vous rappelez. Avec un E. Ouais. Alors là j'avais oublié de faire un truc. On va foutre la couleur d'origine. Alors je sais plus, c'était bleu à l'époque.
Ah, la base c'était bleu. Ouh, bordel. Je crois que c'est au milieu. Ouais. Ouais. Là, c'est un peu trop foncé, quoi. En fait, c'est putain de moche, en fait. Parce que Banker qui me sort enlève ce putain de vert cuillard, c'est trop laid. Mais, excusez-moi, mais le bleu, moi, ça me crame plus les yeux comme ça qu'en vert, en fait. Attendez, hop. Voilà, on fait pas de jaloux, on le met en rouge. Enfin, je déconne, c'est encore pire. Non, mais ça va comme ça, il veut pas. Oh, et puis merde. Voilà, donc Lemuria, c'est assez brumeux, hein, comme ville. On s'en doute. Aussi, c'est, on n'accueille pas les gens en foutant des dieux grecs. Allez, hop. Donc là, c'est exactement la même chose, mais exactement, hein, que la fontaine de Tolbi dans le vin. C'est-à-dire qu'il faut lancer des plans de bonheur ou des pièces. Si on lance des pièces, on gagne juste du fric, je crois. Si on lance des plans de bonheur... Voilà, si ça touche aucun animal, ça va au centre. Mais... Ah bah ça va quand même au centre. Et en fait, faut absolument le faire parce qu'il y a une invocation cachée ici. Et là voilà. Eclipse. Alors c'est une invocation ultra utile et très puissante. Hein. Voilà, 3 lunes de Jupiter, 2 lunes de Mercure. Ok, c'est bien, en fait c'est un espèce de dragon. Hein. Là, le truc, si vous voyez que le crabe va trop vite, hop, pour commencer. Donc vous pouvez avoir des très bons objets, donc je vous conseille de le faire. Yes. Donc utilisez tous vos porte-bonheur, vous en foutez. De toute façon, du moment que vous avez Eclipse, les autres en sortent. Bouclier vide. Merde. Oh putain. Armure Rebus. On attaque de la merde quand même. Je recommence là parce qu'il y a le... Je vais tous les utiliser. Vous me dites si ça vous fait trop chier. La prochaine fois. Oh putain. Alors qu'est-ce que je vais gagner comme merde là. Une noisette. Ah non, même pas, putain. Un diadème. De toute façon, je crois que si on met des portes bonheur, on gagne que des reliques. Peut-être faut attendre que le crabe, voilà. Hop. C'est un peu de la chance quand même. Hein. Faut attendre que les crabes soient à gauche et que les tortues fassent pas chier. Oh non! Merde! Non. Attends, il reste 3, allez, je le lance au plus celui-là. Ouais. Je m'en fous les autres, je les gâche hein, les autres. Allez hop, au pif. De toute façon le plus important c'est Eclipse. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, je vais pas vous faire la liste. Hein. Allez, le dernier porte-bonheur. Ah bah je crois que j'étais jamais tombé. Ah bah si. Voilà, après ça donne au pif. Mais bon. Faut le faire tomber au moins une fois au centre, juste pour avoir Eclipse, le reste on s'en fout. Voilà, bah écoutez... Je sais même pas contre quoi j'ai changé là. L'objet de qui bouclier vide. Oh merde. Où sont les clés à lui. Après y'a quoi. Armure Rebus. Contre la truc. On s'en fout. Le diadème. Restaure les PP. Ah ouais, utile quand même. Ça c'est pour elle ça.
pour les autres trucs, pas le coffre. Et enfin, donc voyons, on a du bon quand même. L'homme minerve et le bouclier Gilles Babiop. L'homme minerve, on monte le pépé. Allez hop. Voilà. Homme viking, peut-être que c'est mieux, non? Non. On s'en fout, voilà. Donc, bah, salut, on se retrouve à la prochaine pour. Pour en savoir plus sur Lemuria, voilà. Une cité qui fait un peu penser d'ailleurs à l'Atlantide. Enfin, vous verrez ça à la prochaine. Allez, salut!